Thank you.
votre interprétation de la chanson. Voilà. Aimez-moi comme on aime un amour qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mis à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. La troisième place revient de ce concours en vol de star 2022 à Adeline Grignon. Adeline. Alicia Renaud. Alicia qui prend donc la deuxième place de notre classement. Valentin Chaparolan qui remporte le vol de star 2022. Vous savez, pour moi c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi, j'ai pas grand chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Messieurs, dames, regardez-moi, si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront, eux, que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Messieurs, dames, croyez-moi, vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre, je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, Street light. Oh, street light. Oh, the street light.
Comment on devient un choriste sur une émission comme N'oubliez pas les paroles, quel est le parcours pour arriver à ça? Ben, on devient choriste tout court déjà, dans un premier temps. Donc on travaille un maximum, on commence par la chorale, enfin pour ma part en tout cas, la chorale de l'église, petite. Et puis les années passent, et puis voilà, après des cours de chant, je chante aussi bien en tant que chanteuse lead qu'en tant que choriste. J'ai commencé à faire des albums pour des artistes. Et un jour, un chanteur qui s'appelle Benabar m'a contacté pour son album. On a donc enregistré plusieurs séances pour ce nouvel album. Suite à ça, le bouche à oreille, les rencontres, etc. Et puis l'émission est arrivée. Est-ce que ça chante à Saint-Brie ce soir? C'est facile, ça fait. Si je te demandais une chanteuse ou un chanteur que t'aimes bien, préféré, quoi, on va dire, comme ça. Alors, ma chanteuse préférée, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, c'était Amy Winehouse. Oui, jamais. C'était sans surprise. Sans surprise. Alors quel est le style de musique que tu écoutes quand même régulièrement tous les jours chez toi? Alors moi j'écoute beaucoup de choses parce que je m'intéresse à tout et j'adore découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux styles musicaux. Maintenant ce que j'aime c'est la pop, la soul, en gros voilà c'est vraiment la musique que j'aime par-dessus tout. J'ai grandi moi avec donc des parents qui n'étaient ni musiciens ni chanteurs mais qui en écoutaient beaucoup et j'ai été pas mal élevée à la variété française en fait. Bien de fois la fin du monde nous a volé. Alors oui, chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Oh, oh, oh. Thank you.
La possibilité de chanter avec un artiste ou de collaborer avec un artiste ou de faire un duo, même si je crois que tu en as fait, ce serait avec qui? Si j'avais la possibilité, je dirais. Alors, je pense à deux artistes très différents. Il y a un artiste que j'adore en France et qui fait une carrière depuis des dizaines d'années, mais qui est dans un créneau un peu underground. Il s'appelle Tété. Voilà, le single le plus connu de lui, c'est La Faveur de l'automne, mais moi j'adore cet artiste, voilà. Donc si un jour je pouvais partager la scène avec lui, ce serait un kiff. Le message est passé. Après, je pense, de mon côté, j'espère un jour peut-être partir sur une carrière solo, on verra. Mais en tout cas, j'écris, je compose des choses et je me suis amusée il y a quelques mois à réécrire une chanson. D'un artiste que tout le monde connaît, qui s'appelle Alain Souchon. Et j'adorerais pouvoir déjà lui faire écouter, et puis pourquoi pas un jour partager un morceau, quelque chose avec ce grand monsieur. Did you have to call the jail? Put your house up for sale? Did you have a good lawyer? La musique, effectivement, le chant, tout ça, ça occupe une grande partie de ton existence. Quels sont tes autres centres d'intérêt? Alors, Jessie, elle aime plein de choses. Hein. C'est une bonne vivante, donc moi, j'adore manger, par exemple. Oui, j'allais y venir. Ouais. J'adore cuisiner aussi, d'ailleurs. Ouais. Particulièrement les pâtisseries, ou plutôt sucrées. Après, j'adore partir en vacances, hein, comme beaucoup de monde. Donc, je voyage pas mal. Et puis surtout, j'ai deux petits bouts qui me prennent pas mal de mon temps. Donc mes enfants, mon activité favorite. And here we are in the heaven. For you are mine.
Alors donc, Salbris, bah oui, Salbris la nuit, c'est pas évident. Mais tu sais que c'est dans le Loir-et-Cher quand même, Salbris. Oui, j'ai vu ça. Ça fait pas penser à un chanteur? Un certain Michel Delpech. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers l'ouest. Vers l'est. On a oublié les paroles. Par les réseaux sociaux, en fait. Je pense qu'on a mis un petit peu de temps d'ailleurs à se trouver. Et donc finalement, la rencontre s'est faite. Et puis moi, j'ai été très honorée d'être invitée à cet événement. Donc voilà. Un grand merci Festive Energy de m'avoir invitée à cet événement. À très bientôt. Des bisous. Thank you.